Bonjour et soyez les bienvenus aux forges de Paimpont. Tout s'est arrêté ici en 1954. À une année près, j'aurais pu connaître les forges en activité. Si aujourd'hui tout semble calme et désert, pas un bruit, pas une machine, pas un ouvrier, il faut imaginer cette allée qui mène au haut fourneau, grouillant de monde, une vraie fourmilière, où les bûcherons, les charbonniers, les fondeurs, les lamineurs, mais aussi leurs familles se côtoyaient, travaillant et habitant ensemble. La vie était rude, une vraie vie de labeur. Pour moi, une des pièces maîtresses du site, ce sont ces deux hauts fourneaux qui se trouvent derrière moi. La température atteignait plus de 1400 degrés. Une véritable fournaise. L'odeur du charbon s'infiltrait dans les moindres recoins. Le bruit des marteaux, le bruissement des laminoirs était assourdissant. Une véritable usine en plein milieu de la forêt de Paimpont, en brocéliande. Venez nous rendre visite. Ces semaines passées ont été mises à profit pour avancer de nombreux projets, tels que la modernisation de la maison d'accueil, la restauration de la fonderie et de l'écurie, enfin la chasse au trésor et le nouveau jeu de Robert Surcouf vous permettront de découvrir ce site exceptionnel. Entrez dans cette atmosphère industrielle des siècles passés. Vous nous avez manqué. Nous vous attendons. À très bientôt aux forges de Paimpont.